en palais, consommez moins de produits sucrés. Et vous, dites-nous quels sont les effets du sucre sur votre santé, comment êtes-vous parvenu à vous désintoxiquer. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. L'intérêt, évidemment, pour un professionnel, c'est de suivre la règle et essayer le moins possible de chair sur la règle. On va rester un peu, hein, ça c'est obligé, mais ouais. Alors les rencontres, ça peut être avec des gens, parce que Arnaud, il a pris contact avec quelqu'un, bon, il y a une possibilité. Avec qui? Avec Monsieur Joyeux, avec Alphonse. Ah, avec Alphonse. Avec Madame Gaillard, toi, les Jules Jeannot. Oui, voilà, Monsieur Jeannot. Ah oui, je non. Alors Didier. Je... Ah, le fils qui fait les pêches pour les parents. L'apiculteur, Michel Louviot. L'apiculteur, Michel Louviot, sur la zone. Jean-René Richard. Jean-René. Le pêcheur. Il connaît tout. Bah oui, c'est normal. Puis le directeur de la réserve naturelle. Voilà, Jean-Marc Gilin. Mais aussi, moi justement, je voulais dire. Gilles, pardon. C'est ce qui t'a inspiré pour écrire après ça fait partie des lieux qui m'ont inspiré. C'est le lieu avec lequel j'ai développé la relation la plus suivie dans le temps. Et comment. Je crois que c'est l'accès au marais, par exemple, c'est quelque chose de très important. Et c'est parce que ça me relie aussi à mes souvenirs personnels. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'est des réminiscences qui sont liées des fois peut-être aussi à l'enfance avec le bois. D'accord. Ben oui, le passage du bois, c'est ça, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte que le lac m'a reparlé de ça. La grande eau. À chaque fois, je ferme les yeux, alors je vais essayer de garder les yeux. Ah oui, il n'y en a pas compte. Alors, comment ça? Ah oui, mais c'est le flash qui me fait. C'est chiant. Attends, je vais mettre sur le flash, pour une fois. Mais c'est vraiment clair. Je ne m'intéresse pas. Vive le marché là! Attends. Allez, bon mal. Fait du bruit mon portable.